Eh bien salut tout le monde, c'est Choqué0030 et donc on se retrouve pour la partie 12 de ce Let's Play qui sera probablement la dernière partie étant donné qu'on en est au chapitre 18 il me semble, si je dis pas de conneries. Et ben, je me suis renseigné comme j'allais dire à la fin de la vidéo précédente sur le nombre de chapitres qu'il y a dans le jeu. Il y en a exactement 19 sans compter les missions facultatives. Donc là on est au dernier. On est à l'avant-dernier chapitre. Et comme j'en suis en moyenne à deux chapitres par vidéo, je pense que ça va être la dernière. Alors, il me dit d'aller là, d'accord? Alors, ce que je dis d'accord, moi. Bon, écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller. À mon avis, notre bordel, il bug, hein. Il va falloir faire le tour de ce machin. On va voir un petit peu ce qui se passe, ce qu'il y a. Et on verra par la suite. Donc apparemment ici y a rien. Y a rien pour le moment. Donc là toujours des espèces d'aliens vraiment vraiment étranges. On dirait un petit peu les aliens dans putain comment s'appelle ce film avec Tom Cruise? Bon je m'en rappelle plus. Oh merde. Ah non pas ceux-là. Ah l'enfoiré, il m'a... Ah, ah la... Putain mais l'autre qui est toujours en train de me... J'attendais, j'en ai encore un. Putain j'ai horreur de ça là quand qu'il m'arrive par derrière. Alors... Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est un enregistrement, un message. Qu'est-ce qu'il me dit sur ça? Un journal déchiffré, cette langue n'a pas été une mince affaire en fait. Elle ressemble un peu aux anciennes langues terrestres esquimaux-aléoutes, parlées par le peuple inuit. Elle synthétise sur un mot donné, des suffixes et morphes. Il y a trop de mots compliqués, hein. Donnant une de multiples combinaisons, cette structure polysynthétique permet la formation de phrases complexes en un seul mot. Par exemple, cette phrase de deux lettres veut dire source d'énergie. Y2. En ajoutant différentes lettres, le sens change comme suite. DY2 renforce la source d'énergie. BY2 source d'énergie entrante. Ok. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes arrivé au cœur de la machine. D'ici, il semble y avoir deux points de configuration principaux. Un que vous avez sans aucun doute déjà activé à l'ouest, et un second au nord. S'ils sont tous correctement réglés, eh bien, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas ce qui se passera. Je n'ai qu'un seul conseil à vous donner. Ouvrez grand les yeux. Tous les indices sont ici. Nouvel objectif. Nouvel objectif donc. Pour faire fonctionner cette machine, je vais devoir aligner et activer un module qui commande les principales fonctions. Serrano parlait d'un conduit proche qui devait m'emmener à l'endroit où je pourrais configurer le module manuellement. D'accord. Donc c'est pas ici parce que c'est. Apparemment ils veulent qu'on reparte en arrière. Ok, on continue. C'est tout au bout qu'il faut aller. Alors, ici. Ah ouais, d'accord, elle s'active là-bas. Ah, ça va pas probablement pas être le seul. Il y en a un autre. Attends, si je pouvais avoir... Non, pas ça. Oh non, mais... Il y en a encore un qui arrive derrière. Comme je manque tellement de réactivité, j'ai l'impression d'être genre d'être shooté quoi, j'ai l'impression d'être bourré. Je voulais ramasser un pic comme ça pour leur envoyer, mais j'ai ramassé le corps.
Donc deux petits points en bas, un petit point en haut, un petit point en bas. Alors. Non. Ah, je l'ai activé sans faire exprès. Deux petits points en bas, un petit point en haut, un petit point en bas. Hein? Ah merde. Ah, j'ai été con là, dans le sens que l'avance, bref. J'entends des sales bruits qui n'annoncent rien de bon pour la suite de cette aventure. D'ailleurs, il y a des petites caisses de partout. Je sais pas qui c'est qui a posé ça. Je pense qu'il y a des nécromorphes qui sortent de ces trous là. Oh my god! C'est pas bon ça, ça c'est pas bon du tout. Une patte en moins. Ah ouais, ça c'était sûr. Pas les pattes à trois pieds, pas les pattes à trois pieds. Je suis mort. Non, il va me tuer, il va me tuer. Il va me becter. Regardez ça, regardez ça. Ah, un bras en moins. Boum, boum. Oh la vache. Oh la vache. On sait que bon, bon, mine de rien, c'est cool de se voir mourir parce qu'on n'a pas trop eu l'occasion de mourir précédemment. Comme ça, on n'a pas vu un petit peu les différentes animations. Qui font quand ils nous tuent. Ouais, celle-là, il nous donne plein de munitions. En fait, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Putain, je dois esquiver à chaque fois. Et voilà. Ah ben on va courir un petit peu. Ah mais merde, s'autoriser autant de... C'est pas légal ça. Non mais déjà il faut que je calme le... Lui là, voilà, lui il faut que je le gomme. Allez, déjà... Voilà, quelques pattes en moins, ça lui fera pas mal. Merde, ça arrive sur le côté, j'ai entendu... Oh putain, l'enfoiré. Ouais, genre c'est passé à côté. Putain, mais non, mais non. Moi je suis pas d'accord. Trop de nécromorphes, tue les nécromorphes. Ah, à mon avis, ça risque de faire mal. Ouais. Ouais, genre. Attendez, parce que lui, il a encore ses pompes. Eh ben, c'était... C'était pas évident, je vais voir un petit peu ce qui me reste au niveau de tout. Ça va, je consomme pas beaucoup, franchement.
Ouais, c'était pas évident, hein. Ça arrivait un petit peu de partout, là. C'était un petit peu la fiesta. Bon. Après toutes ces émotions, on va continuer. Hein. Alors, il y a l'air de vouloir faire le tour. Ouais, c'est par là qu'il faut aller. Voilà, des munitions, c'est ça qu'il me faut. J'en ai trop pompé. Ouais. Merde. Ok. Bon, parfait. C'est ça le truc qui parlait. Me semble. C'est le porteur là, qui parlait. Ça va nous conduire où ça? Ah, il y a l'air d'avoir des... Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça a l'air d'être des bombes. Merde. Ah, c'est juste à esquiver. Bon, c'est rien de... C'est rien de méchant. Ah, il y a encore du bruit. Oh, un monolithe. Un monolithe. Un monolithe. Et au-dessus, un putain d'extraterrestre. C'est dingue parce qu'ils sont juste énormes, les extraterrestres. Alors, il y a apparemment des... Voilà, c'est ça. Ça m'énerve. Ça, c'est le truc, j'ai beau tenter, j'y arrive pas. Hein. Là, je suis pris entre deux. Fais chier. Manque de réactivité, clairement. Ça te fait mal, salope. Ok. Dommage qu'on peut pas faire un salto arrière. Putain, ça arrive derrière moi! Oh, mais y'a rien à faire. Ah, pas mal ça. Putain, ça arrive derrière. Je leur fonce dessus, c'est moi qui cherche un petit peu aussi. Putain! Oh, fuck! Heureusement qu'il nous donne. Non, j'avais pas vu que. Ah, les gens. Alors, eux, ce qui me fait peur, ce que je crains avec ceux qui sont en train d'arriver là. Eux là, voilà. C'est plus leur cri que eux-mêmes. C'est vraiment leur cri quoi. Ils sont vraiment un cri bizarre. Hein. Bon, c'était un petit peu tendu, mais finalement on a réussi. Et c'est bien passé. C'est bien passé. Oh, je me suis un petit peu. J'ai pas le réflexe en fait de sauter comme ça. Parce que même malgré ça, Isaac reste quand même un personnage assez assez lourd à manipuler. Enfin, à bouger, c'est... Qu'est-ce que c'est ce merdier? Oh, merde. J'aime bien comme ça crache les hommes. On dirait que ça vomit. Je vais regarder un peu ce qu'il me reste. Ah merde, j'ai utilisé un truc alors que j'aurais pas dû. Bon, bref. Les matières organiques de la zone rendent toute progression difficile. Nos hommes sont toujours aux prises avec cette toile collante. Les appareils qui se trouvent dessus doivent être essentiels à la configuration de cette machine. D'après mes études des textes extraterrestres, il pourrait s'agir d'un amplificateur de signal ou d'énergie.
à condition d'être aligné. D'accord, très bien. Donc c'est là où que ça va se passer. Eh bien, on y va. On arrive. Merde, je peux pas le prendre par ici. Voilà, je prends un petit peu tout, canon de tir, fusée. Ah. Il se passe quelque chose. D'accord, très bien. Oh, regardez ça. Les trucs qui bougent, les veines qui bougent à l'intérieur, c'est dégueulasse. Bon, c'est tout ce qui se passe ici. Bon, alors c'est parfait. Ah, il va falloir que je les bouge avec ça. Utilise des données pour maintenir, pour faire tourner de grands objets. Ah, ça c'est pas bon. C'est bon, ça te va? Bordel de fiente. Alors. Bon, du coup, là, c'est... Putain. Partons de la zone, partons de la zone. Fuck you. Ah, ça fait mal, hein. Ah. Putain, y'en a un qui arrive juste derrière moi, enculé. Putain, genre, j'arrive pas à l'avoir d'ici. Donc là, c'est bon. On a l'air de bon de ce côté-là. Et on va aller voir de l'autre côté. Ok, bah par là, je peux pas passer. Ah, tiens, il y a un truc ici. Qu'est-ce que c'est? Artefact alien. Pas mal. Artefact de Google, appuyez sur pour le voir. Pas qu'il y ait quelqu'un qui m'attaque, une race aussi avancée que celle-ci ne pouvait pas rester limitée à une seule planète. Certaines preuves suggèrent que leur empire s'étendait effectivement à travers plusieurs systèmes stellaires. C'est moi ou il y a quelque chose qui arrive? Oh merde. Bon, il m'a pas encore détecté. Donc c'était ça qui était intéressant. Putain, j'en ai ras le cul. Ah, c'est ça qu'il me faut, ça. Ah, c'est ça qu'il me faut. Je vais lui balancer dessus au bordel là-bas. Oh, dommage. En fait, il faut que j'arrive à trouver... D'accord. Alors là, ça va être
Tac. Ah, bordel de... Je sais pas comment ça marche leur truc là. C'est encore un puzzle à la con. Attends, il y a un truc. Donc il faut qu'il y ait ça ici, c'est bien. Il faut qu'il y ait ça ici, c'est parfait. Est-ce qu'il y a l'autre là-bas? Ouais, nickel. C'est bon. Ah, pas mal. Voilà, on a accompli le bordel. Donc maintenant, je sais pas ce que ça va faire. Ok, le courant est rétabli. Un autre terminal d'activation vient de s'ouvrir. On est sur le point de relancer la machine, Carver. Ok. Il vient de s'ouvrir où? Il y a un truc, il y a un bruit bizarre qui arrive derrière là. Ah non, c'est ça qui fait du bruit. J'ai toujours l'impression qu'il y a un nécromorphe qui va me sauter à la gueule juste derrière moi. Donc c'est ça. Hein. Isaac, qu'est-ce que vous faites? Je fais ce qui aurait dû être fait il y a longtemps. Non, arrêtez ça. Vous mesurez à des choses qui dépassent vos compétences. Ouais, je vous retourne le compliment. D'accord, le cœur de la machine. Ouais, du coup, je dois repartir en bas. Ah, c'est parti. Toujours un peu long quand même ces phases en ascenseur. Mais bon, faut que ce soit réaliste. Enfin, je suis sûr qu'ils sont revenus. Bon, vous avez fait un sac de nœuds géants avec cette ville, et après? Si Serrano dit vrai, je peux retourner au premier point d'activation pour faire le réglage final. Ça fera quoi? Eh, je suis ingénieur, pas monolithologue. Pas monolithologue, ouais. Voilà. Du coup, il y a des espèces de bombes là qui s'activent, qui ont l'air de s'activer. Je sais pas ce que c'est étrange. Bon. Oh non, pas ça. Oh la vache. Ah bah si, c'est bon, je l'avais ouverte. Donc. Ok, c'est par là qu'il faut aller. Bon, j'espère qu'on va pas se taper des nécromorphes parce que c'est rigolo de les... Alors, peut-être qu'on va pouvoir prendre le temps de le dire cette fois-ci. Tout concorde, c'est tellement évident, les monolithes sont partout autour de nous, ils sont rouges comme les reliques que nous avons créées. Le signal émis par le monolithe ne fait pas que ressusciter les morts, il nous manipule, nous a... pour accomplir sa volonté, malgré nous, nous avons propagé le virus d'une planète à l'autre. Les conquêtes de notre espèce n'auront servi qu'à le nourrir et attirer cette entité lunaire. Tau Volantis a choisi le sacrifice. Ils se sont éliminés comme on ampute un membre gangréné dans l'espoir de mettre un terme à l'infection. Intéressant. Bon, j'espère, voilà, qu'il là, il va pas y avoir de... Necromorph. Ça me ferait bien chier. Ok. Ce n'est pas la peine, Isaac. L'avenir vous appartient. Vous le savez. Foutez-moi la paix. Vous pourrez la retrouver, Isaac. Vous retrouverez tout ce que vous avez perdu.
et vous serez débarrassé de tous vos regrets. Je n'ai aucun regret, Danik. D'une façon ou d'une autre, ce sera bientôt fini. Isaac, tu fais chier, Isaac. Tu es vraiment merdant. Ok. Ça va. Pète-le. Il y en a deux encore. Il y a quoi derrière? Oh, l'un de Dieu. Putain, j'arrive pas à voir des... catastrophique ça. Putain, il y en a encore. Lui, je l'attends, lui. Putain, j'aurais pu l'esquiver mille fois. Oh, de Dieu. Un peu de vie, s'il vous plaît. Non. C'est un vrai labyrinthe quoi, si t'as pas ton petit truc pour t'indiquer où aller, c'est fini. Je pense que là on est bon, on est revenu au point de départ. Wow. On va les laisser se battre entre eux, on va laisser se... Bon par contre voilà, s'ils cherchent la merde, on les dégomme. Hein, bah. Bon après je sais pas si... Les humains sont tellement faibles. Voilà, ça au moins c'est fait. Oh fuck. Un truc ultra stasé. Pourquoi il s'en va?
troisième type, succès déverrouillé. Pas mal. Merde. Ouais d'accord, c'est passé quand même. Ah merde, je pensais qu'il était mort. Oh, la roulade en arrière et ça passe pas. Putain, c'est pas passé. Le coup qu'il voulait mettre, il est pas passé. Là, j'ai eu chaud au cul, les mecs. J'ai chaud au cul. Ah oui, c'est ça, voilà, qu'il me faut. Je vais un petit peu vendre, un petit peu mettre tout ce que j'ai trouvé. Acheter de la vie. Voilà. Tac, 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 tac. Coffre. Voilà, hop. Retour F fabrication. Donc il va me falloir un peu de ça et de la vie. Kit moyen, je peux en faire kit de soins. Kit de soins max, je peux en faire deux, mais tu vois, je vais en faire deux. Oh, ambulancier, succès des gens, c'est pas mal. Ok, ça c'est fait. D'ailleurs, j'oublie de les placer toujours ces connards de méca charognards. Bon, je sais pas si j'en ai trop besoin maintenant à la fin du jeu comme ça. Si j'en place un deuxième ici, là, tiens. À mon avis, il y a la... je peux pas placer, il y a l'autre. Ok, 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 ok. Donc là. Maintenant, il faut que je passe ce truc-là. Donc, non, ça a pas l'air d'être ça. Attendez. Oh putain de merde. Tac tac. Comment je fais pour faire Ah c'est ça. Voilà, c'est comme ça, d'accord, ok. Ça y est, ça a activé le truc. Allez, on y va. Allez. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oula, attention. Faites ce qui vous semble juste, mais vous vous trompez, Isaac. Vous devez me laisser couper la machine. Mes renforts sont arrivés. Avec une surprise. Une surprise? Ça risque d'être intéressant. Genre le truc planqué derrière, je le sentais à 3000 km. Wow! Je vais attendre, là je veux l'avoir. Putain, mais c'est dingue!
Voilà. Eux, ils nous feront plus chier. Allez. C'est parti. Ah oh là 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 là. J'en étais sûr qu'elle allait survivre, Ellie. J'en étais sûr. Le ratez pas. Mais t'as couvert. Oh l'enfoiré, je l'ai. Quel enfoiré, mais quel enfoiré. Et je peux leur arracher leurs membres si je me mets là-dessus et que genre j'active le truc là. Ça leur arrache le bras, c'est. Attends, j'ai essayé. Putain, les enfoirés. Putain, elle s'est fait chier, ça m'a pris ça au lieu de l'autre truc. Putain, ils ont culé. Du coup, je vais plus avoir de vie là, bientôt. J'ai plus que 4 jauges de vie, 4 trucs. Là. Ok. Wow. Ok, maintenant. 3 réceptacles, 3 statues, 3 symboles. Comment en finir? 3 réceptacles, 3 statues, 3 symboles. Si tu veux bien monter. Allez, toi tu dégages parce que merde, un peu, y'en a marre. Attendez. Alors lui, je vais le. Oh putain, ils sont. Putain, on dirait des mercenaires, les mecs. Putain, ils sont ici. Ils sont suicidaires. Là, ils sont un peu plus durs que la moyenne. Ouais. J'ai l'impression qu'ils arrivent à l'infini, c'est bizarre. Ça serait très mauvais pour un jeu comme ça. C'est ça. J'ai l'impression qu'il commence quand même. À être moins. Ah, lui il en reste un, je savais qu'il en reste un là-bas. Hop, ça c'est fait. Bon, mine de rien, ils m'ont quand même, je crois, plus servi. Quelque chose, puisqu'ils m'ont redonné un petit peu tout ce que j'avais perdu au niveau de la vie, au niveau de tout ce que. Alors ici on a 3 bordels. Il va falloir mettre quelque chose dedans. Probablement. Il y a quelque chose. Ah ben voilà, et c'est ça qu'il faut placer là-dedans. Alors. On a une icône. Donc ça là, ok. Non, tu vas sortir ça là. Voilà, merci. Putain, j'ai cru que j'avais. Qu'il était resté coincé à tout jamais. Ok, donc ça c'est bon. Donc maintenant, il va aller chercher de l'autre côté. Voilà, ça c'est le premier, il me semble-t-il. Putain, j'arrive pas à le choper lui. À chaque fois que je passe devant, j'y arrive pas. Hein.
Alors, oh, comme ça aussi, c'est un peu dommage qu'on peut pas... Putain, mur invisible, qu'on peut pas sauter les escaliers. Bon, ça c'est bon. Non, je vais de l'autre côté. Il devrait y avoir... Le dernier truc. Et on devrait être bon. Ah, regardez, on dirait des œufs qu'il y a au milieu. C'est trop bizarre. Ok, Carver. Une autre porte s'est ouverte. Ils vont être tout près des commandes du Codex. Nous avons suivi toutes les instructions de Serrano. Je vais entrer. Ok, ok, on a l'air d'être... Ah, d'être bon, là. On est bon. On s'approche du but, les amis. Ah, je pensais qu'on allait partir vers le bas. Oula. Ça, ça veut dire que c'est mauvais, ça. Ok. Oula. Aïe aïe aïe, oui, effectivement. Pas bon, pas bon pour la santé. Oh, ça a pas l'air de faire très mal. Putain de merde. Alors ça. Oh super. Alors là par contre je suis pas d'accord. Ah putain je suis pas d'accord. Allez on va essayer de se grouiller. Bon allez on y va. Ok. Encore ça, je sens que ça va être une phase. Oh mon dieu. Attends, je vais pouvoir passer. Oh merde, bon, je vais pas pouvoir passer. Oh putain. Putain, ça c'est chiant. Hein. Mais non, genre... Ouais, je suis... Ah, ça y est, je peux passer. Putain, je vais te baiser. Allez, bon. Là, je me concentre parce que fuck. Hop là. Là, c'est bon. Ah, mais c'est qu'il est tellement lent quand il grimpe, mon dieu. En plus, j'avais le don pour activer ma stase au moment où... Où il y avait un truc qui passait. Alors pour ça j'étais bon. Ok. Là je suis sûr que là dès que je vais rentrer sur le truc, voilà, ça commence à arriver. Donc je suis baisé. Voilà, bien entendu. Ça c'est. Ah mais ça c'était obligé quoi. Heureusement que ça fait pas bien mal. Hein. Je sais même pas si ça fait réellement des dégâts. Bon. Ah. Mon pote. Ellie. Isaac, ne fais pas ça. Ne l'écoute pas. Donnez-moi le codex et je vous la rendrai. Non. L'enjeu est trop important. Bon, tout le monde se calme, ok? Yannick. Donnez-moi le codex. Ou je vais la descendre. Non. Qu'est-ce que vous faites?
C'est votre dernière chance. S'il arrête la machine, on meurt tous. Elle, nous, tout le monde. Vous devez faire ce qui est juste, Isaac. Il y a toujours une issue. Non ! C'était ça que je voulais. Ellie, je vais en finir. Mais tout va sauter, moi compris. Tu dois partir. Non. Partez tous les deux, retournez sur Terre, avertissez-les. Moi je reste, j'ai rien d'autre. Vous ne pouvez pas, Carver. Pas sans mon aide. Anti-monolithe, c'est moi. Isaac. Je me suis enfui parce que j'avais peur de ce qu'il fallait faire pour nous sauver. J'ai plus peur maintenant. Il y a une navette. Je veux que tu la prennes et que tu rentres. Ne viens pas me chercher. Tu sais que je ne rentrerai pas. Ah ! Ok, trouver un nouvel objectif. Ok, appuyez sur 1 pour plus d'étages. Oh oui, c'est vraiment le moment de lire là. La machine assassine n'a pas créé le nécromorphe. Elle a été empêchée envers la galaxie grâce à elle. Tous les volatiles sont restés gelés pendant un millier d'années et les nécromorphes n'ont pas pu. Tiens, quand même, je dois la réactiver. Il faut réactiver la machine. Ah, bordel, là c'est trop intense. Wow, il y a des trucs qui pop comme ça. C'est quoi ça? Ouh, quand j'ai cru que c'était des nécromorphes, ces trucs qui. J'espère qu'il va pas y avoir des nécromorphes dégueulasses qui vont pop là, qui ont absolument rien à foutre ici. Wow, allez on glisse. Non, même pas. On avance tous ensemble au milieu des décombres. Oh. Ce n'est pas très rassurant. Ah. Ça veut dire que c'est pas fini la baston. Surtout si c'est des armes qu'il y a dedans. Voilà. Et encore eux ça va. Ils sont pas trop chiants. Parce qu'une fois qu'on leur a pété les deux bras eux. Ah c'est fini. Oh. Merde, il est encore en vie. Oh la vie, elle est partie où? Oh, il s'envole. Ah, là. Merde. Putain, il y a des trucs derrière moi. Ah. On avance, on progresse vers le but ultime, mes amis! La destruction!
au revoir. Là par contre il va se passer des trucs à moi, probablement qu'il va se passer des trucs. Il est déjà en train de... Wow. Je vais recharger avant d'atteindre cette espèce de... Le mieux c'est pas de les esquiver ces bordels. Wow. Mais en fait c'est de la merde ça. En fait le mieux c'est de les esquiver parce que c'est se prendre la tête un peu des... De leur tirer dessus. Wow. J'étais en train de penser à autre chose et d'un coup je vote. Non, vidéo risque de durer un petit peu plus longtemps que d'habitude. Peut-être un petit peu plus d'une heure étant donné que... C'est la fin du jeu. Simplement. Merde, d'accord, alors moi qui suis trop con. Attends, laissez-moi. Oh l'enfoiré. Oh ouais, d'accord, gay. Lui me. Elle est passée où la vie? Elle est passée où? Elle est passée où la vie? Vous voyez la vie quelque part? Oh, de toute façon, vous pourrez pas m'entendre. Qu'est-ce que c'est là? Il y a des trucs qui s'envolent et ça fait chier. Putain, c'est de la vie ça. Eh merde, j'ai encore appuyé sur la touche. Ça fait chier cette touche de. Pas les crasheurs, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Ah mais ça c'était quasi certain. Ils en ont pas marre de pop juste au-dessus de ma gueule. Juste au-dessus de ma gueule, c'est. Eux ils sont vraiment chiants. Hein. Pourquoi? Alors là j'ai pas compris. Putain, non, je recommence d'ici, ça fait chier quand même. Toujours voir combien il me reste un peu de vie, voilà. Putain, mais eux c'est abusé quand même. Voilà, parfait. Quoique c'est pas si parfait que ça, vu que quand je tiens le bordel... J'avance à une allure mais tellement réduite que c'est pas intéressant. Attends. Oh con, moi qui regarde. Là ça va arriver derrière, ça va arriver devant, ça va arriver sur le côté, ça va arriver. Ah ok d'accord c'est bon, j'ai pigé pourquoi je meurs. Il faut que j'avance quoi. Ok. Bon ben là c'est bon, je cours. Faut pas que je prenne trop mon temps en fait, c'est ça le truc. Ah voilà de la vie, c'est ça que je veux. Allez on y va, on booste. Là mais vraiment, limite. Non par contre il faut le tuer.
J'allais dire limite on tue pas les nécromorphes, mais juste si eux on les tue pas, on est dans la merde. Parce qu'on n'arrivera pas à les semer ces camps là. Putain la vache. J'ai eu du mal hein. Putain, j'espère que derrière moi les nécromorphes vont pas s'accumuler. Qui vont lâcher prise un peu. Oh GG. On félicitera le. Par contre les dégueuleurs là, ils me ralentissent quand ils m'ont craché dessus. Allez là faut pas hésiter. Putain, s'il y avait pas un petit point de sauvegarde là, ça serait pas mal. On a l'air d'être... Voilà, c'est pas mal ça. D'accord. On va s'acheter les armes et tout. Allez. Oui, on s'en branle de ça. Pas le moment. Voilà, c'est qu'on donne un temps. Allez, tac, 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 tac. Encore fabrication d'objets. Hop, 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 kit de soins max. 1, 2, hop. Je peux en acheter plein. Ça aussi, allez, on se casse. Maintenant, on n'a plus rien à foutre de tout. Est-ce que je peux améliorer ma combinaison, si vous voulez? Tu as l'air de suite. Changer de tenue, améliorer les rigs. Ah, c'est ça que je vois. Rig 2. Est-ce que j'ai trouvé des trucs? Ferraille, j'ai. Si tu veux, force, je peux pas. R, ça je peux. Non, je peux pas parce qu'il faut la faire. J'ai tout dépensé en achetant des trucs, bon, on s'en branle. Bon, par où il faut que j'aille? Par là-bas. Non, au niveau de la vie, ça va. Lune sanglante. Lune sanglante. Ah, il y a quelque chose là. Ouais. Alors là, on va rentrer directement dans l'animal. Oh, c'est ça que j'aime. Toujours des petits trucs impressionnants comme ça. Ouh, là j'ai bien cru que j'allais crever. Hein. Ça, bien sûr, bien entendu, ça va venir sur nous. Voilà, c'était évident. Putain, je peux encore aller plus vite en faisant comme ça. Alors là va falloir être réactif. Je sais où je vais passer par là. Là, 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 là. Oh, aïe, 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 aïe. Ah, là c'est plus moi qui contrôle. Un œil. Deux yeux. En fait c'est un poulpe le truc. Allez, le boss de fin, on y est. Même une armée n'y arriverait pas. Il faudra bien qu'on réussisse. Bon, je crois qu'il y a des monolithes pas loin. Je peux les utiliser comme projectiles grâce à ce support télékinésique. Ah ouais, exact. Ah ben voilà, c'est ça qu'on va faire. Oh. Montre-moi ton œil. Allez, un œil, un œil. Pourquoi il monte pas l'œil? Ouvre ton œil. Edgar, il est en train de nous envoyer des gros rochers. Ouais, je vois ça, je vois ça. Donc là, il faut que j'esquive
Là, je parle pas parce que je me concentre, ok? Je pense que tout le monde l'aura compris. Allez, un œil, un œil. Ah non, c'est pas passé. Oh non, pas ça. Oh l'enfoiré. Oh l'enfoiré. Allez, passe. Allez, là, ça y est, va dedans. Putain, à chaque fois, je tire dans la paupière, là, à chaque fois. Allez, encore deux, encore un, et c'est fini. Tiens, bouffe ça. Non, ça fait rien. Il va encore m'envoyer des trucs là. Voilà. Allez, allez. Oui, GG. Alors là, je l'ai bien eu là. Là, il a plus d'œil. Alors là, je sais pas comment il va faire. Allez. Allez, vas-y, remonte. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'aime. Qu'est-ce que c'est que ce truc dégueulasse qui sort là? Ah, je sais plus. Non, je peux pas passer par là. Alors c'est ça, on se sert du codex? Ouais. C'est fini les conneries. Alors, adieu. On meurt. Pour sauver le monde.
Isaac. Alors, c'est fini. Le monolithe, il n'aimait plus. Isaac, tu l'as fait. Tu as réussi. Système solaire confirmé. Supralumière activée. En action. Voilà, bon, écoutez, ça aurait été un plaisir de jouer à ce jeu. Donc écoutez, plus d'Isaac, plus de Dead Space, hein, je pense que ça va être le dernier Dead Space. Écoutez, moi, ça aurait été quand même une bonne série, malgré le fait que ça s'est considérablement, entre le premier qui faisait vraiment peur... Oh, attends, il se passe quelque chose. Ah, comme je disais, entre le premier qui faisait vraiment peur, là, je me chiais vraiment dessus, et celui-là, il y a quand même une grosse différence. Ah bah non, en fait, y'avait rien. Donc voilà, bon, écoutez, j'espère que ce Let's Play vous aura plu. Je suis désolé encore si j'ai mis pas mal de temps pour le faire. 7 mois, j'ai regardé la première épisode, c'était il y a 7 mois que je l'ai fait. Bon, écoutez, je suis désolé, mais bon, c'est vrai que j'ai pas spécialement eu envie de jouer à l'ordinateur cet été, donc c'est pour ça que ça a pris, mais même ça... Ça justifiait pas de pas faire le Let's Play pendant 7 mois parce que j'avais pas envie d'en faire, c'est tout. Écoutez, je vais vous laisser là-dessus, j'espère que ça vous aura plu, que vous continuerez à me suivre sur les prochains Let's Play, et puis on se dit à la prochaine, allez ciao tout le monde.